Bonsoir tout le monde, nous revoici pour un nouvel manger, comme promis, à la maison tisseuse. Je suis en compagnie de Zone Paranormale. Zone Paranormale, Sabrina et Guillaume. Et Olivier du groupe IRS. Ah, on doit sortir. Non. Hein? On doit sortir. Oh, dur. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Non, c'est fermé. Oh, tu m'as fait peur, Ramon. Ah, le capot il s'est fermé. Non, mais non. Bonsoir. 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 Voilà, vous avez la voiture. Ouais. Vous me connaissez. Je suis déjà venu vous voir récemment. Moi, ouais, c'est Guillaume, je suis avec Sabrina aujourd'hui. Oh, regardez, une chaise avec un petit peu. Oui, mais attends, t'as pas de bouge. La chaise. Tout le monde, mon cœur de fumée. C'est sûrement un ami de pas chaud. Tu me crois si je te dis que j'ai déjà plus qu'une barre? Ah oui? Ah, je te mens pas. Ah oui, j'ai fait du contraire. Putain. Bah, et ça a été chargé en fait? Bah, je sais. Regardez, je suis en train de biscuit. On arrive, hein. J'essaie. Bienvenue. Merci à vous de vous accueillir. La cuisine est magnifique. Bonsoir. Tiens, bonsoir. Du coup, j'ai même pas mis le micro, mais je pense que ça va fonctionner quand même. Sur le tour les deux, ça sera déjà pas mal. Mais ça vient un peu planquer ça ailleurs. Ah. Il y a des petits bruits, je vais l'entendre là. Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger, je suis Nadège, je suis déjà venue. J'espère que vous me reconnaîtrez. N'hésitez pas à venir parler ou à faire des bruits. On est là pour vous ce soir. Hop. Moi j'ai prévu la... Le petit tour au cas où. Moi aussi je l'ai prévu. Parce que là... Je sens la chose arriver, je sais pas pourquoi. Oh. Hop. Le petit coup est là, le cabinet est là, t'as lu le micro, ah non tu l'as pas mis. Je l'ai pas mis, j'espère que j'aurai autant de résultats que... Bon, généralement je pense que je devrais avoir autant de résultats, la possibilité. Ok. Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette enquête ce soir. On est sur un peu de choses déjà tous. On est venu dans le bec et on a eu pas mal de résultats. Alors, ce soir on va faire une petite enquête dans la maison. Voilà. Là,
Alors je vais répéter ma question, y a-t-il une dame ou quelqu'un qui aurait travaillé dans ce lieu s'il peut venir toucher le nounours s'il vous plaît? Allez-y. Je vous en prie. Dans la cuisine. Je suis accompagné de Guillaume et de Sabina de l'équipe SJI. Zone paranormale. Zone paranormale. Pensez-moi SJI. Je vais enterrer SJI. Allez-y, touchez le nounours s'il vous plaît. Pas trop d'éclairage pour le nounours s'il vous plaît. Sinon on ne voit pas la caméra. Je ne vois pas son. Refaites ce que vous avez fait, ça répond du tac au tac. Ça touchait blam 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 blam. Je te promets. Ça ne me surprend pas. Allez-y, s'il vous plaît. Moi, c'est Guillaume. Je suis en compagnie de Sabrina, Nadège et Olivier que vous connaissez. Non. Bonsoir. Je vais vous demander de vous approcher du nounours. Qui que ce soit qui se trouve dans cette pièce. Allez-y. Je laisse la parole, hein, du coup, allez-y. C'est assez surtout au quand il a dit qu'il était triste de devoir cette maison à l'abandon. Ouais, c'est là que ça... Ouais, parce que moi, je le ressens beaucoup. En fait, ils sont très, très attachés à ce lieu, en fait. Et c'est vrai que c'est triste que ça parte à l'abandon. Et ça, je le comprends énormément. C'est triste parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce lieu est quelque chose de très important pour vous, s'il vous plaît? Oui. C'est bien ce que je ressens, merci beaucoup. Merci, merci de votre réponse, c'est très gentil. Alors, si c'est une dame. Est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît? C'est moi, pardon. Si vous êtes un homme, allumez le nounours, s'il vous plaît. Oh putain, il est... Merci, c'est gentil. Donc vous êtes un homme. Si vous, vous êtes bien un homme, vous pouvez le reconfirmer en allumant le nounours, s'il vous plaît. Gentil à vous, merci vraiment. C'est quoi ça? C'est quoi ça, quoi? J'entends le chiffier. Non, on va Est-ce que vous pouvez faire clignoter le nounours si vous voyez le lieu comme vous le voyez avant? Est-ce que vous voyez le lieu comme nous on le voit maintenant? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à monter là-haut? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, derrière. Ok. Oui. Ça vient pas de là-bas. Si, ça vient de là-bas. Si, ça vient du salon, là. Ouais. Enfin, du... Derrière mon nom. Non, moi, là. Pour le nom, ça va aller là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on y aille à la pièce d'à côté, s'il vous plaît? Faites allumer le nounours, si c'est le cas. Et je trouve que ça répond d'accord. Beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on va laisser sur la réaction de ce compas direct. Ça répond. Ah, ça change. Ah, c'est moi. Non, je peux faire quelque chose pour toi, mais. N'importe. Oui. Allez, je sens bien. Par contre,
Faudrait faire gaffe avec l'extérieur, les voitures. Je regarde juste l'état du plancher vite fait. Stop. Ouais, c'est ça. Merci. Stop. Est-ce que vous êtes avec nous dans le salon, s'il vous plaît? Moi, je reste avec vous. J'ai fait le bâtiment, c'est comme terrasse. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? J'entends bien. Oui. Ah bon? Oui. C'est une dame? Madame, vous êtes là? Il y a tout qui est passé dans la caméra, ça me... Faites bouger une chaise. Allez-y. N'ayez pas peur. C'est ma voiture, faut faire. Ouais, moi, trop simple. Si vous êtes présent, est-ce que vous pouvez faire un bruit distinctif qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît? Vous venir toucher le nounours spot qui est devant nous, qui est sur la table. Vous êtes dans le salon? Merci. Merci. Vous êtes au fond. Ils étaient derrière comme Olivier, là, tout dans le salon. Stop. Oui, c'est aussi. Ça. Il confirme. Merci à vous. Stop. Merci beaucoup. Oh là là. Oh là, là. Ah bah, vous aimez Calinou, hein. Vous l'aimez bien, celui-là. Hein. Il est doux, en plus. Hein. Vous avez de la chance. Et en plus, il est gentil. Il adore les câlins. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir ce soir? Faire bouger une chaise devant nous? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que quelqu'un peut qu'il y a une chaîne? Légèrement, même si c'est très léger, on entendra le bruit. Il y a le bois qui est en dessous de la chaîne. Ouais, ouais. La chaîne est très... Faites bouger la nappe, sinon elle est plus légère. Ouais. C'est même pas pour rien. Tu vois? Il y a des bruits. Non, regarde, il y a l'argumentation. Protection de l'univers. Ah bah oui, c'est... Oui, tu vois les poissons, ça. Tapez dans la porte, mettez un bouquet compte. Compte, tu vois. Merci. Il a beaucoup interagi avec le... Ouais. Ah, je crois que c'est plus facile, je crois. Ouais. Généralement, il préfère plus tout ce qui s'allume. Ouais. Est-ce que Guillaume peut s'asseoir sur l'une des chaises, s'il vous plaît? Allumez le nounours si c'est bon. S'il a le droit. J'en ai pas de mal, hein. C'était vraiment pour pouvoir interagir avec vous. C'est pas méchant, vraiment. Est-ce que vous voulez bien que je m'assoie avec vous? Vous seriez content? C'est qui l'a fait la seule femme? Il y a des deux. Est-ce que Guillaume vous fait peur? Non, moi j'en ai entendu carrément une voix. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça. Ça. Ouais, ça fait ça. Ça fait ça, justement. Allez, j'en souffle. Allez-y, venez vers nous, n'ayez pas peur. Guillaume, il a une grosse voix, mais il est gentil. Ouais, je suis pas méchant. Loin de là. Même une mouche, je fais pas de mal. Même le bouton qui vient tous les jours à la maison, il a pris. C'est Charlie, j'ai appelé Charlie. Il est ma taille de voix. D'accord.
Est-ce que vous nous invitez au, dans le salon? Touchez la peluche si vous nous invitez au salon. Excusez-moi, vous. C'est bon, si vous voulez. S'il vous plaît. Je suis là. Bien sûr, je suis là avec toi. Est-ce que vous êtes encore dans cette pièce, s'il vous plaît? Si oui, allumez le nounours, s'il vous plaît. Ils sont peut-être pas habitués à tous ces matériels. Oui, je pense. C'est ça. C'est ça. Pour toi, c'est une peluche, tu vois. Enfin, oui, j'ai vu un truc qui a fait. Ouais, j'ai vu aussi. Qui est parti plus loin. J'étais focalisée sur. On va aller au salon, clairement. Oui, on peut, oui. C'est bon, c'est bon. Il est là. Il est là. De l'autre côté, c'est la cuisine. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la pièce? Si oui, touchez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on aille ailleurs? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, si on vous dérange, touchez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce que... Je vais pas te demander pourquoi. T'as pensé à quelle question? Est-ce que c'est Guillaume qui vous dérange? Oh, moi, direct. Est-ce que c'est nous quatre qui vous dérangeons? Est-ce que vous voulez qu'on parte de la maison? Si vous touchez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu. Timide, ouais. Perdu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes timide? Je vais laisser la parole. Timide, ça. T'avais raison. Vous savez ce qu'on va faire? On va rester dans le silence pendant quelques minutes et on va s'adapter à votre bruit et votre environnement. N'hésitez pas à faire n'importe quel bruit, un claquement de porte, une chaise qui bouge, une porte qui se ferme, un bruit quelconque que vous faisiez dans le temps que vous étiez encore vivant. Je suis là dans tout le respect avec mon équipe et des collègues. On est là dans tout le respect, on est là pour vous ce soir. Donc maintenant je vais être dans le silence pendant quelques temps et après on reviendra. On reste là avec vous. Voilà. Allez-y, silence.
Qu'est-ce qu'on fait ça? C'est peut-être trop tôt. C'est pas de bonne soupe. Non. La dernière fois, on a été, c'était quand? Cool. Fin de journée. Ouais. Non, c'est bien pas d'heure. Vous pouvez aussi nous laisser des messages via les micros qu'on a en sur les caméras. Vous inquiétez pas, vous nous ferez pas peur. N'hésitez pas à faire du bruit. On est là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Allumez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Cette pièce que vous pouvez toucher de nous? Il est plus là. On va aller dehors, dans une autre pièce, hein? On va vous suivre, c'est pas grave. C'est pas grave, on va vous sortir de la vie. Je le sens, j'ai des frissons. Viens la neige, viens là, viens ici. Wow, wow, wow. À la mort ici. D'accord. Ils sont de ouf. Ah putain. Ah ouais. De ouf, hein. Je pense plus là-bas, je sais pas, pourquoi je... Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vas-y, posez les nous là, on va voir un truc là. Posez les. Je me éloigne des portes où il y a rien, parce que c'est... Il y a du bruit aussi là, quand même. Ouais, c'est la pièce là. Viens, on va dans le salon, viens, on va dans le salon, c'est plus simple. Ouais. Le salon, c'est derrière. C'est là. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai tout bien, ça. Mais pourquoi ça a été ouvert? Il y en a qui ont été dans les chambres. Là-haut? Ouais. Oh là 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 là. Ouf. On est vraiment zéro. Ouais, ouais, non, mais quand je vois cette toile. ouais. Bonsoir. Ça va, les photos? Ah, et puis les planches, enfin les marches sont pas forcément stables. T'as deux marches de cassé, mais après. Fais gaffe ici, par contre, il y a un endroit où je vais. Oui. Ah oui, ça mince. Ça s'affaisse. Faut que je m'éloigne parce là, qu'Anthony ici, il a été. Là, puis là aussi, là, ça s'affaisse. Quoi? Okay. C'est un prisonnier qui a envoyé ça. Parce qu'il a marqué prisonnier. Mmh. Alors, ah, bonsoir. J'aurais des questions, tiens, par rapport à ça. Vas-y, Nadège. Moi je vais me mettre là-bas, c'est où c'est poussé? C'est où c'est dangereux? Là, non, vers c'est là. Enfoncé. Là, ouais. Bonsoir! Bonsoir! Ouais, bonsoir! D'accord. Il y a déjà deux prénoms. Non, Nicole, juste. Bonsoir! Je commence, puis tu peux après. Alors, j'ai un prénom, j'aimerais avoir une confirmation. Est-ce que c'est bien vous, Nicole, t'es qui est avec nous ce soir? Si oui, touchez le nounours, s'il vous plaît. Allez-y. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour avoir un contact, une réponse, peut-être vous aider. Hein?
talent de nounours. Est-ce que c'est vous, Nicole, qui êtes avec nous ce soir? Tu m'as l'air, vous m'en la tête. De l'équipe IMS, bien sûr, je précise. Non, non. C'est Assou du Paranormal. Ah, d'accord, Assou du Paranormal. Je suis désolé, vraiment, j'ai du mal, ça. Ah, IMS, c'est bon. Est-ce que vous êtes bien, Nicole, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous allumer le nounours, s'il vous plaît? Le toucher, je veux dire. Excusez-moi. Ma momie, comment? J'ai l'impression que ça vous suit. C'est pas méchant, mais non, du tout. Ça veut communiquer, tu vois, mais c'est super digne, en fait. C'est ça. Tu vois, j'ai pas le couteau là. On est là pour vous ce soir, on est là pour vous écouter. J'ai un couteau sur toi. J'ai l'impression qu'elle était à mon avis. Hein? J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, elle était partie en urgence. Ouais, c'est ça. Comme si elle a été hospitalisée ou... Et puis vous jamais vu. Vas-y, pose la question, c'est jamais. Est-ce que vous avez été hospitalisé en urgence, s'il vous plaît? Touchez le nounours, si c'est le cas. Vous avez juste à le toucher comme ça, regardez. Ça fait de la lumière. Wow, merci. Merci beaucoup. Merci énormément pour cette réponse. C'est ce que je ressens. Nicole, tiens. Non, j'avais demandé est-ce que vous êtes par rapport à une hospitalisation. Est-ce qu'elle vous montez au ciel? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, merci. Oui. Tac au tac. Bon, voilà. Jack d'accord. Je peux plus demander toi-même. Jackpot. Est-ce que vous voulez aller rejoindre votre famille alors? De l'autre côté. Ils doivent vous manquer. J'ai perdu le cœur. Je vais essayer, ça marche pas. Tu peux me relever ou me prendre le cœur. C'est comme ça? De quoi? Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre famille? S'il vous plaît, touchez le nounours. Ma voix leur fait peur. Incroyable. Demande-leur si c'est moi qui l'ai fait le maquillage. Est-ce que la voix de Guillaume vous fait peur, s'il vous plaît? Si c'est le cas, touchez le nounours, s'il vous plaît. Non, si ça touche pas à plus, ça veut dire non. D'accord. Pardon. Bouge pas. Je vais faire. Et comme j'ai une petite faiblesse. Ah non, ça va pas le faire. Le problème, moi, c'est question de pierre. C'était quoi la question? Il n'y avait pas de question. Ah, c'est gentil à vous quand même, merci. Une faiblesse, elle a dit à cause de. Regarde, est-ce que la caméra peut interagir, non? Bon, après, je demande. Non, non. Tant pis, ça sera comme ça, ça sera un peu. Stop! Merci! Voilà. On va voir si ça sera même sans poser de questions. Est-ce que ça peut interagir avec les numéros ou pas? Normalement, non. J'ai une question. Ben voilà, je sais plus. J'ai perdu mes questions. Moi, j'en ai. Ça vient de passer derrière ma gueule dans le. Je l'ai filmé en plus. Hein. Au miroir. C'est bon, moi, je décolle un peu. J'ai cru voir une orbe, je suis pas sûr. Vas-y, pose la question. Est-ce que les personnes sur les photos sont Tiffany et Frédéric, s'il vous plaît? Si c'est le cas, allumez le nounours, s'il vous plaît. D'accord, c'est ce que j'avais bien compris. C'est pour ça que je suis revenue. Voilà, vous avez laissé des messages.
dans ma vidéo et je suis revenu pour vous, pour discuter avec vous. Est-ce que vous êtes content que je sois revenu? Allumez le nounours si vous êtes content, s'il vous plaît. Touchez-le. Je viens de toquer. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai comme entendu que ça toussait à l'étage. Oui, moi aussi. Mais c'était un autre qui toussait. Un personnage qui toussait. Comme ça. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est bien à vous, monsieur? Alors, c'est bien à vous. Ok. Quelqu'un peut éclairer légèrement. Ah oui, c'est vrai que sinon tu. Ah, je vois les lumières, mais j'aimerais bien avoir une ours, tu vois. Attends, j'ai pas de ours. Merci, les lumières. Chut. J'ai entendu le gratter. C'est vous? Ah oh, oui. Allez, tiens, je vais dans la chambre. Allez-y, marchez encore. Vous êtes dans votre chambre, monsieur? Vous êtes à l'étage, monsieur? Touchez la peluche. Vous êtes à l'étage. Ça, c'est bon. Ah. Oh la vache! C'est du bois de l'eau. Là, c'est moi. Bien. C'est vous, madame, qui êtes à l'étage? Peut-être. Je sais pas si c'est vraiment stable là-haut. C'est ça. C'est le gros problème. On voit, on regarde si c'est trop chaud, mais ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Est-ce qu'on peut monter à l'étage, s'il vous plaît? Si oui, touchez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne est malade et doit se reposer à l'étage? Si c'est le cas, vous pouvez toucher le nounours, s'il vous plaît? On va venir vous rejoindre à l'étage si c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal, d'accord? Ok. Si vous êtes encore avec nous, suivez-nous. Oh là là, ça m'a l'air d'être chaud. Ah ouais, non chaud, non, non chaud. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Ouais. Non, non, c'est un peu calme. Dommage. Tu sais quoi, attends. Fais-moi ça, c'est là. C'est un truc. Ouais, doucement. Ouais. Ouais, c'est risque. Oh putain, montez. Oh putain, la pipe. Quoi? Qui me suit? Vierge Marie, tout le bordel. Ah, mais ils sont incroyables. Je sens pas bien. Qui me suit, là?
Je vais te suivre. Du moment c'est que c'est. Je peux te monter. C'est bon. Enfin, mais tu vois, et tu me gardes. Tu me gardes. Toutes les planches sont stables ? Non. Une planche sur deux. D'accord. Mais c'était quoi ça ? C'est bon, on peut monter. Pas tous, pas tous. Pas tous, c'est deux qui restent en bas. J'ai pas vu quelle planche que t'avais marché. Fais gaffe, hein. Celle-là, elle est bonne ? Celle-là, vas-y. Ouais. L'autre aussi. Ok. Non, pas celle-là. Encore, si, si, vas-y. Non, encore, vas-y, vas-y. Je te dirai, je dirai. Celle-là, oui. Celle-là, vas-y. Ouais. Par contre, tu vois, celle-là, elle est cassée. Ouais. Donc, celle-là, c'est bon ? Tu lui mets un coup de main. Vas-y, enjambe, enjambe, enjambe. J'enjambe ? Enjambe. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ah, tu lances une ours ? Bonsoir, excusez-nous du dérangement. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce, très jolie. Oui. On va pas trop faire de. Bah, ils viennent ou pas ? Non, ils ont peur. J'aurais dû te rester en bas par rapport au bois. Ah. Par rapport au plancher. Ok. Mets ça. Regarde ça, regarde tout ce qu'il y a. T'es déjà monté toi ? Non, c'est la première fois. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît, qui voudrait discuter avec vous ? S'il vous plaît, c'est lui, touchez nos ours. Pose la question, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît ? Si c'est le cas, touchez. Touchez le nounours, s'il vous plaît. Bougez la porte du placard, allez-y. S'il vous plaît. C'est léger. Ils sont pas bien ici, pas à l'aise. C'est pas toi ? Non, ça va. Pour le moment. Je sais pas. Je suis morte. Ça y est, vieux dos. Vieux dos pour la vache. Non, en fait, moi j'ai vraiment la sensation que c'était des personnes qui étaient très malades. Très malades, ouais. C'est cette sensation-là. Je peux ouvrir le placard. Est-ce qu'on peut ouvrir le placard, s'il vous plaît ? Enfin, l'armoire, la porte, si ça ne vous dérange pas. Si c'est le cas, si on peut, toucher le nounours, s'il vous plaît. Par contre, il y a beaucoup d'infiltrations. On va pas rester longtemps ici. Oh, bon. Ouais. Bah, surtout là, en fait. On voit que c'est gondolé. Bon, nous, c'est là. Tu restes là, tu... Tu vas aller un peu loin ou quoi tu... Enfin, on peut aller voir... Fais gaffe, on peut enchaîner, par contre. On prend le nounours ou c'est venu ? Ça va ? Ouais, c'est juste que je fais attention quand même. C'est hard d'avoir. Bonsoir. Par contre, il n'ira pas plus loin parce que là-bas, la pièce est démontée. Ok ? Ok. Même si c'est pareil, on peut mettre ça. Regarde-moi ça. Ah oui. Oui, c'est très pur. Tu as mis un truc ? Non, c'est le... Bonjour. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Oui. Est-ce que vous étiez malade ? Vous avez raison. Est-ce que ce... Ouais, non, mais attends. Ils sont excités. Parce que là, je le ressens en fait. À mort, hein ? Oui. Est-ce que. Non, stop. Doucement, parce que. Ouais, je commence à être pas bien, tu vois.
Doucement. On vous ressent, vous inquiétez pas. Chou. T'as même plus envie de partir de la pièce, limite. C'est ça, en fait. Je jure. Est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît? D'accord. Je vais encore respirer. Oui, il te vient de te confirmer que oui. Est-ce que vous êtes prêt à parler avec nous? Merci. T'as quoi, t'as bien. Est-ce que vous avez... Vas-y. Peut-être la même question en plus. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour monter au ciel? D'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un de... qui nous... Stop! Merci! Stop! Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous voulait du mal? Si oui, touchez mon ours. Vous voulez qu'on vous aide, en fait, tout simplement, c'est ça? Vous avez besoin d'aide? S'il vous plaît, monsieur. Voilà, c'est une chaîne, en fait. Est-ce que vous venez de me toucher la jambe? S'il vous plaît. Si oui, touchez le nounours. Merci. Je peux pas mentir. Hein. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à votre famille, s'il vous plaît? Si oui, touchez le nounours. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser un peu ma caméra à côté de... Stop. Merci. Stop. Stop, monsieur. Je vais laisser la caméra à côté du nounours. Comme ça, si vous avez un message, n'hésitez pas à le faire passer. Et je le repasserai à son tour. Aux personnes concernées. D'accord? Est-ce que ça vous va? D'accord, merci. Super. Non mais attends, là, par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, mais après, je comprends. Faut juste vérifier que ça filme bien encore, parce que le problème, regarde, ma batterie, ça en train de pomper. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez fermer la porte qui est devant moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire, monsieur? Allez-y. Dites-moi si vous pouvez fermer la porte qui est devant moi. Vous êtes capable de faire ça? Juste une fois, s'il vous plaît. Vous vous asseyez sur le lit, par exemple. Je sais pas. Oui. Allez-y. Bah, allez-y, monsieur. Touchez la porte, s'il vous plaît. Légèrement. Merci beaucoup. Merci de votre réponse. Allez-y. Faites bouger la porte. S'il vous plaît. Comme ça, nous, ça nous prouvera en même temps que, bah, on sait que vous êtes là avec nous, mais ça sera encore une autre preuve de votre part, que vous êtes vraiment bien avec nous. Oui, j'ai compris que vous aimez bien le nounours. Donc maintenant, moi, je vais vous demander de toucher une porte, comme si vous la fermiez, comme dans le temps. Gentiment, doucement. Allez-y. Il veut répondre encore au nom, je pense. Comme il est malade, j'imagine. Et juste un petit bruit, un petit coup sur le lit, par exemple. Vous savez, quand des fois on tape sur le lit, est-ce que vous pouvez le faire, ça, s'il vous plaît? Si oui, touchez le nounours. Est-ce que vous êtes fatigué, monsieur? Touchez le nounours, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille par hasard? Est-ce que vous voulez qu'on parte?
D'accord. Bah, on va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille. Reposez-vous, hein, reposez en paix, monsieur. Reposez. Voilà, reposez en paix. Hein. Désolé de vous avoir dérangé, vraiment. C'était pas le but. Hein. Merci à vous. Bonne soirée, monsieur. La semaine, il vient ici, il vient beaucoup de l'enfer. Merci à vous aussi. Du coup, bonne soirée. J'ai excusé nous de votre du dérangement. Sabina. Ça me convient. Mais la photo avec la fille dessus et le nom de prisonnier, c'était de votre famille? Est-ce que les trois filles en photo, c'était de votre famille, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher le nounours pod pour dire si c'est oui? On a trois photos juste à côté du nounours. Est-ce que c'est de votre famille, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez un Jean? Monsieur qui s'appelle Jean, le prénom. Jean? Je sais pas, ça fait une petite douleur dans la jambe. Ça vous dit rien, Jean? Alors est-ce qu'elle me fait passer une douleur qu'elle ressentait? Est-ce que c'est... j'ai ressenti votre douleur, s'il vous plaît? Si c'est le cas, allumez le nounours, touchez le nounours. Merci. D'accord, merci. J'ai une question aussi à poser. Est-ce que le fauteuil roulant qui est là-bas, est-ce que c'est le vôtre? S'il vous plaît, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez toucher le nounours pod? Ouais, ok. D'accord. Je vais le faire rouler. Merci. Merci infiniment. On va reposer la question, est-ce que les jeunes filles qui sont sur la photo, vous les connaissiez? Oui, touchez-les, s'il vous plaît. Non. Est-ce que ces trois personnes, vous les connaissez? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez toucher le nôtre? Allez-y. Je tiens dans ma main actuellement deux photos, dont une il y a une fille et sur l'autre il y en a deux. Est-ce que vous les connaissez? C'est le cas, est-ce que vous pouvez toucher le nounours pour nous. Vous pouvez, si vous les connaissez. J'ai pas forcément l'impression que je les connaisse. Non, c'est bizarre. Est-ce que c'était une connaissance? C'est bizarre parce que la dernière fois ça avait répondu l'inverse. Oui, et ça m'a confirmé tout à l'heure. En plus. Prisonnier 48, ça vous dit quelque chose? J'ai l'impression que vous jouez avec nous. Nous venons ici pour vous poser des questions parce qu'on on regarde un petit peu toutes les archives qui sont ici sur place. Et on se pose des questions à savoir qui sont ces personnes qui sont sur les photos. Voilà, dont un prisonnier 48. N'ayez pas honte de dire. Il n'est pas là pour vous juger de toute façon. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette personne qui va envoyer ces photos? Est-ce que c'est de votre famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'était vous, monsieur, prisonnier 48? Monsieur Jean. Ah oui. Merci. Ok, d'accord, merci. Merci. Ok. Donc votre prénom c'est Jean. Et donc vous connaissez cette fille qui est sur la photo, ok. D'après ce que je comprends. Ah, c'était la femme qui a envoyé la photo à lui, petit enfant. Peut-être. Prisonnier à la guerre, peut-être quelque chose. Vous étiez prisonnier de guerre? La photo que je tiens dans la main. Est-ce que vous connaissez la fille qui est dessus? Ok, bon, merci. Voilà. Donc les deux autres apparemment
Ouais, parce qu'il y a la même là-dessus, alors ça a été... J'ai eu quand même deux prénoms par rapport à c'est ça le truc. C'était vos filles ? C'était vos deux filles sur la photo, ou une fille peut-être ? Est-ce que cette fille-là, c'était la vôtre ? S'il vous plaît. Touchez le lourd, si c'est le cas. Est-ce que c'est la photo de votre femme anciennement, quand elle était jeune ? C'est le cas touché le nounours ? Ils auraient pu. Votre sœur, peut-être ? Quelqu'un de la famille ? Peut-être votre sœur, oui. Arrière-grand-mère ? Ah, c'est plus de 48-402. Mmh. Voilà. Oui. Et là, il n'y a rien. Est-ce que ça serait vos nièces, s'il vous plaît ? Si c'est le cas, touchez le nounours, s'il vous plaît. Oh ! Quoi ? Putain ! C'est le stade 11. Ah ! Mm-hmm. Oui, il n'y a rien en dessous. Ah, pardon. C'est en dessous. Ouais, c'est ouais, ouais. Calme. C'est le stalag vers GM et 9A, là où il était prisonnier. T'as pas entendu quelque chose ? Non. Non. Est-ce qu'il y a un truc c'est une bonne affaire, ça c'est un bon truc à savoir. Vous avez été prisonnier, vous étiez retenu prisonnier par les Allemands ? Ah bah là, de toute façon. Si oui, touchez le nom, s'il vous plaît. Vous avez été prisonnier de guerre ? Est-ce que vous avez connu le Stalag 9A ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, je pense que c'est tout cas. Ouais. Ce que je ressens depuis tout à l'heure, beaucoup de fatigue. Je sais pas ça. Si tu transpires, ouais. Non, c'est pas ça, j'ai cru qu'il y avait une toile. Ah. T'as une copine qui vient de voir ? Bah, justement, je regarde, il n'y a pas de toile. En tout cas, déjà est-ce que c'est vous qui m'aurez touché, s'il vous plaît ? Si c'est le cas, touchez le nounours, s'il vous plaît. C'était quoi ça ? Je vois, c'était par là. J'ai l'impression que c'est touché la machine. Oui, oui, oui. C'était votre machine à coudre, madame ? Faisiez beaucoup de couture, madame. Touchez la peluche, hein, pour dire oui. Est-ce que vous faisiez beaucoup de couture ? Pardon. Pourtant, c'est bien. Sauf que la machine à coudre, elle n'est pas tout jeune. Non. La marque Rabat. Rabat. Est-ce que vous voulez qu'on parte et qu'on vous laisse tranquille ? Si vous touchez de nous, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Mes collègues reviendront plus tard, je pense. On reviendra avec eux, on verra, on va s'organiser ça. Ça va être plus, c'est plus. Non, d'accord. Bah, merci à vous d'avoir communiqué. Je pense que dans la grange, il y a moyen. Là, il y a la voiture ou quelque chose, non ? Oui. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Ah, mais la douleur que ça m'a fait ressentir, j'ai ressenti. Ça, c'est bon, là. Alors. Là, vous avez vu, il y a là, la marque bouton. Hein ? La marque bouton. Mmh. C'est vieux ça. C'est hyper vieux ça, la marque. Là, le fauteuil roulant. Non.
J'ai entendu parler. Non mais j'ai entendu parler de toute façon. Bonsoir, est-ce que vous me dérangez? Est-ce que vous êtes avec nous si vous pouvez essayer de jouer le monde? Est-ce que vous êtes avec nous s'il vous plaît? Il y a des bruits là. C'est quoi ce bruit? C'est en haut. C'est en haut. Ils sont sur le courant. Rien. Rien. C'est... Ouais, c'est juste un grenier où tu mettais des meules ou des trucs comme ça de ouf. Mais j'ai remarqué que oui, en haut, il y a pas mal de mouvements. Et pourquoi là-haut? Je sais pas. Il y a une question à poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, dans cette pièce? Si c'est le cas, vous pouvez allumer le nounours en le touchant, s'il vous plaît? Ils sont... Non, ils sont partis. Ils sont KO. Non, ça a été... Ouais, je pense que là... Ça n'aurait plus rien. Plus de réponse. Après, je pense qu'ils laisseront des réponses, mais plus avec des PV, c'est tout. Ça rentre bien, truc là. Ouais, il c'est ce que je viens de... Mais il était pas... J'ai pas le souvenir qu'il y avait ce rondin au milieu là. Si ? J'ai pas fait attention. Il faudrait que je regarde. La porte est fermée. Et la porte, de toute façon, ici, là, la porte où on est rentré était fermée. Ah, il y a eu du passage. Ouais, ouais. Mais là, je sais que la voiture, malheureusement. Oh la vache ! Ouais, c'est bien. Mmh. Ouais. J'ai putain. Pas trop... Ah, c'est du sable, en fait, en dessous. Oui, c'est ça. Ça va, je veux juste pas trop m'aventurer, en fait. Pardon, mais... Vas-y. Voilà. Là, ici, là, oui. En fait, si tu vois, en haut, tu as un gros... une grosse machine. Si tu veux, en haut, t'as une grosse machine. Oui, oui, on y était avant. Apparemment, tu cliques. On est en train de valer tous les outils qu'il y a là. Mon machine, énormément d'outils. Je vais les couper là. Je vais faire de se couper les projets de matin. On va les monter. Ils sont maîtrisés, tu vois. Ça rejoint le contact. D'accord. Voilà. Et la personne était très très manuelle parce que les si t'en trouves, t'as une équerre là-bas. T'as encore des grosses scies là-haut. Oh la vache, le fauteuil. Tellement oui, non, il y a pas de truc, en fait, c'était très mieux. Merde, non, c'est ici, peut-être. Par contre, faut faire gaffe, là. Là, c'est juste ça. C'est qu'il y a du tout, en fait. Non, pas là. Ici, on sent encore le bon bois. La marque Macaroux. Oh, c'est la jolie, t'étais d'accord. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ça, la machine, là, faut tout demander ce que c'est. C'est un toubet, regarde. T'as l'autre partie qui est là. En fait, tu mets la partie au milieu. Tu vises d'un côté et tu fais tourner avec ton moteur là pour pouvoir sculpter dans le bois en fait. Là, t'as les différents points qui regardent. Ouais, c'est vraiment, je vais les toucher. C'est mon ami. Regarde parce que le plancher n'est pas. Ouais, pas que sur toi, t'as même un copain. Où est la masse? La masse. Où est la masse? C'est pour éliminer ça. Ouais. C'est un piège. Excuse-moi. Il n'y a pas de bave dessus. Ah, si, non. Je vois 2014. Tu peux faire une petite séance de Spirit Box? Ouais, pas bête. C'est vrai, Spirit Box, on va pas faire. Là, on va pas faire, on va le faire ici. Ah. Non, on peut se balader avec. Hein. Let's go, c'est quoi ça? Ça, c'est une voie de poitrine, mais il y a sûrement des clous ou quelque chose dedans, tu vois. Tiens, tu tousses. Je sais pas, tu veux un médicament? Non, il y a des. On m'a toujours dit le serreau de corde.
pas de loup. Oui, je suis gueule. Parce que là, je me tiens. Non, non, bah non, je dis pas. Je... non, mais pas, pas devant nous quand même. Pas devant nous. Pas devant quand même. Je sais quand même. Désolé, c'est le petit moment détente. Je dis plus rien. Je suis obligé de. Vas-y, ça donne, fais nous voir ton truc. Tu que traces, hein, voir. Tu que traces, hein. Vas-y, moi je m'en fous, j'ai déjà vu. Ah oh là là, JBL rouge, attends un peu. Il y a des trucs qui offrent. Allez. Oula. Oula, oula. Tiens, oula, là. Oula, oula, oula. Elle a mal à la gorge. Moi aussi, j'ai mal à la gorge. À la gorge. Je cherche pas le cas. Elle m'a fait ressentir un truc. Ouais, j'ai vu, c'est pas possible. J'ai que traîné. J'enlève pas le son, t'inquiète. Mais Nadou, putain, si que je recharge votre batterie parce qu'ils ont poupé dans ma batterie en fait. Tu dis des mots bizarres toi. Ils ont poupé dans les. Il faut charger une batterie parce que votre batterie est morte. Non. Bah si, la sienne, ouais. Moi la mienne, je suis en charge en permanence. Dès que je suis arrivé. Dès que je suis arrivé ici, en fait, c'est simple, j'avais plus qu'une barre alors tout est à vous. Mon dieu. Mon dieu, tu sais attends, pas, mais c'est pas... Mais non, c'est pas ça. Mais laisse-moi. Ouais, non, c'est pas ça. Filmé, là, hein. Oh, ma colombe. Bah, éclaire-moi. Elle déjà allume ça. Mais oh. Après... Non, oui, il a entendu quelque chose aussi. Comme si un truc était tombé. Allez, séance de spirit chose. Séance de spirit box. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Ah, je me présente, Olivier. Je me présente, je m'appelle Nadège. Moi, Guillaume. Moi, Sabrina. On voulait avoir des petites réponses. Oh oui, je crois. Alors, est-ce que juillet 2015, ça vous dit quelque chose? On a vu beaucoup de documents datant de juillet 2015. Est-ce que ça vous dit quelque chose avec une assurance alliance? Ouais, très loin, ouais. Est-ce que vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît? Vous vous rapprochez de l'appareil. On vous entend très mal. On n'a pas trop compris. Vous avez dit quoi? C'était votre atelier, monsieur? Hein? La radio. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes présent? Je n'ai pas compris. Non plus, t'as pas entendu. C'est bien aussi. D'après ce que j'ai vu, je travaillais avec du bois. Je
Jean, est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression qu'ils ont plus beaucoup d'énergie. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait déjà deux fois que ça me manque. Alors, ils ont plus beaucoup d'énergie, ils sont... Vous voulez qu'on parle de là? Il me semble qu'ils entendent la voix. Ouais. D'accord, monsieur. Vous êtes peut-être un peu fatigué avec toutes les questions qu'on vous pose. On va vous laisser vous reposer alors. Ouais. Êtes-vous d'accord? Ça répond plus. Allez, merci à vous, on merci va y aller. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous pour vos réponses. Du coup, on va vous laisser. J'espère que vous avez été content de nous recevoir, qu'on puisse discuter avec vous. Donc du coup, comme on va vous laisser vous reposer, mais ne me suivez pas. Restez bien ici, on reviendra s'il le faut, donc vous inquiétez pas. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, et puis du coup, à la prochaine, si vous voulez encore venir nous parler. On vous remercie réellement, franchement, merci à vous. Magnifique. Ouais, mai 2015. On va y aller, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser reposer, restez bien ici, ne vous suivez pas. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes les questions, toutes les réponses que vous avez pu donner. C'est super sympa, on ne s'attendait pas à avoir autant de réponses. Merci à vous. Et de toute façon, on aura peut-être l'occasion de repasser à vous. C'était Zone Paranormal avec IMS Asso. Et Asso. Du Paranormal. Du Paranormal. Et Olivier et Nadège et en présence de Sabrina enquêtrice. Et puis on part sur un autre lieu, et puis voilà. Hein. Merci. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé, je te côtoie les tonnerres derrière toi, la curieuse qui peut l'heure. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé. On dirait qu'elle a reçu un choc ici. Hein. Ouais. Ouais, c'est une bonne. Ouais. C'est bon, moi, c'est toi. Bon, bah voilà. Moi, je sais que j'ai coupé au dernier moment, parce que des fois, il laisse des PV un peu partout. Bon, en tout cas, bon, merci bien. Surtout, restez bien sur place. Alors, par respect du lieu, je vais refermer la porte. Elle était déjà fermée en rentrant. Voilà. Je la regarde. Surtout, n'oublie pas qu'il y a des crochets. C'est bon. Par contre, vous ne suivez pas, s'il vous plaît. Du coup, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête.